vous demande les questions, les propositions fausses qui concernent les paramètres pharmacocinétiques de l'antibiothérapie. Les réponses fausses étaient les réponses A. Un antibiotique bactéricide ne fait pas que stopper la croissance bactérienne, mais il est bactéricide, donc il tue les bactéries, donc il y a une décroissance de la bactérie. La réponse C, en effet, les bêta-lactamines ont une action temps dépendant et pas concentration dépendant. Et la réponse E, pour la fenêtre de sélection, c'est un intervalle qui correspond toujours à des concentrations inférieures à la CMI de l'antibiotique et pas supérieures. Donc la fenêtre de sélection, c'est un intervalle de temps pendant lequel la bactérie va être exposée à l'antibiotique, mais ne va pas être tuée ou dont la croissance ne va pas être inhibée à cause de cet antibiotique. Donc il faut une concentration pas trop haute, donc inférieure à la CMI pour que la bactérie ne soit pas tuée ou inhibée.